Hey, hello les vapeurs, comment allez-vous bien? Ben écoutez, j'espère pour vous que ça va. Ici, ben ça allait. Vidéo liquide aujourd'hui. Petite gamme nouvelle. Enfin, il n'y a pas 2 jours que c'est sorti, mais bon, il n'y a pas non plus des années. Voilà, on est chez le nuancier à Tonton pour voir. Alors, il y a 4 liquides. Qui compose donc cette gamme, le nuancier à tonton. On va en voir 2 aujourd'hui et dans une seconde partie, on en verra 2 autres. Donc, nuancier à tonton, c'est une marque donc relativement récente. Ils sont situés dans le nord-est de la France, dans le 67 exactement. Alors, je vais vous donner l'adresse. C'est le nuancier à Tonton, donc 30 A rue Mercière, 67 150 Erstein. Parce que ça se dit comme ça. Voilà. Vous avez donc un site. Un site .fr, un site shop, le nuancier à tonton, tout ça en minuscule et qui se tient, .fr. Et vous pouvez aussi les retrouver, bien entendu, sur Facebook, sous le nuancier à tonton. Donc, ils ont leur page Facebook, voilà. Donc, 4 liquides qui composent cette gamme. On a le Braise Invasion. On a le 5 O'Clock, on a le Shelmy et la Rotule. Ce sont donc des fioles, on va les voir de suite après, mini choubi, je dirais. Ce sont des choubis, des petites choubis de 30 ml dosées à 20 ml pour pouvoir bah, rajouter votre booster. À noter que sur leur site, quand on y va, ben, et d'ailleurs je vous invite à y aller, vous aurez les liquides, les boosters, les coils, les box, accessoires d'ail, voilà. Et il y a même un accès pro pour ceux qui voudraient distribuer du nuancier à tonton. Voilà. Enfin, le nuancier à tonton. Alors on voit Cotton Bacon Prime, il y a le Swan Ceylon, il y a des tapis. Le nuancier à tonton. Ah, ça c'est sympa, tiens. Voilà. Et puis donc des coils et des accus VTC, Sony VTC6, Samsung 25R et Sony VTC5A. Voilà. Et donc tout un tas de coils, coil mécalien, coil alien, coil V2, coil transformer, fusée Clapton. Ainsi de suite, ainsi de suite. Alors donc. Les choubis, aujourd'hui on va voir le 5 O'Clock et le Shelmy. Donc, ceci je les mets là. À noter donc que vous avez les boosters. Ils m'ont envoyé les boosters. Donc, une fiole, ah, pardon, dans le bon sens, vous lisez mieux. Une fiole de booster dans la choubi pour du 3 et 2 éventuellement pour plus. Voilà donc, fiole. Petite fiole choubi, je me répète, bague de première ouverture, sécurité enfant, ok. Et on a, hop, le petit téton là qui vient s'enlever pour pouvoir venir rajouter donc votre booster. Ça, c'est plutôt bien de voir ça maintenant pratiquement sur toutes les fioles. Hop là, c'est toujours sympa. J'ai un problème de cam. Alors ça arrive jamais, mais là forcément ça arrive. Voilà. Donc ici le Shelmy. Du coup ça m'a tout déréglé. On va faire la mise au point manuellement. Voilà. Donc avec leur image de marque, leur logo, le nuancier à tonton. Ok, Shelmy. On a toutes les indications qu'il faut, il n'y a pas de souci. Numéro de lot, numéro de DLUO apparemment, flashcode et tout, illiquide, voilà. Donc pas de souci de tractabilité, ça c'est une bonne chose aussi.
Et puis, donc, le 5 o'clock, pareil, de toute façon, ce sont les mêmes étiquettes. Il y a juste donc le nom du liquide rajouté en bas. Voilà. Alors, c'est simple, mais bon, voilà, tout y est, c'est sympa. Voilà. Vous aurez aussi le petit dépliant. Alors, je sais pas si vous l'aurez systématiquement, mais dans le cadre des revues, ben oui, voilà. Donc, on a un petit nuancier, c'est le cas de le dire. Voilà, avec donc les quatre liquides qui composent cette gamme, le Facebook donc, et puis ben, la description de chaque liquide. Allez, alors, on va aller sur le Xiaomi, ici, donc, que j'ai mis dans le Gull, que je suis en train de tester. Waouh, la mise au point, waouh! Voilà, donc le Gull monté sur Tube Mecha, le Skype Mechanic Mode, voilà, que l'on verra aussi, ben, je pense que ça va être la prochaine vidéo. Ok, Tube Mecha, le Gull, eh ben c'est parti. Bon volume de vape. Je vous ai pas dit, alors, je vais vous le dire, hein. Parce que ça aussi c'est important. On est sur du liquide en 40-60, donc 40 pg, 60 vg, voilà, 20 ml en 0,2 nicotine et donc à booster, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ouais, bon volume de vape. Alors, pour. Les amateurs, je suis sur un coil tout simple. J'allais dire un micro-coil, non, mais bon, voilà, un coil spire jointive avec du 0,50, du fil 0,50. Voilà, je trouve que sur le méca, ben, ça répond très bien. Alors, il va falloir que je le coupe un peu, va falloir que je fasse un truc parce que, alors celui-ci, c'est le seul forcément que j'ai nicotiné avec ma nicotine à moi. Tous les autres, j'ai mis donc les fioles de booster qui étaient fournies avec. Là, j'ai mis ma nicotine à moi pour voir un petit peu s'il y a une différence. Ok? Le problème, c'est que j'ai peut-être un petit peu trop dosé. Mais bon, les goûts sont là, il n'y a pas de souci. Alors, on est sur un fruité, clairement. Il y a plusieurs fruits dessus. Décidément, il y a tout qui tombe aujourd'hui. Hop, alors, désolé, hein, je prends ma loupe. Le Xiaomi, quand une farandole de fruits rouges accompagne une danse endiablée entre le citron et la framboise, l'équilibre ne peut être que parfait. Et effectivement, on a cette donc farandole de fruits rouges. On sent clairement les fruits rouges. Le citron, il est bien présent. Là, en plus, avec un petit peu trop de nicotine, ben, j'ai un hit plutôt costaud. Ouais, j'ai d'abord les fruits rouges, ensuite le citron. C'est frais sans plus, c'est sucré sans plus, c'est bien fait. Sincèrement, c'est bien fait. Je vais le rallonger un petit peu parce que là, je vous dis pas le hit que j'ai. Ça tabasse. Voilà. Allez, on va passer au second, donc le 5 o'clock. Ok, que j'ai nicotiné, donc là, pour le coup, avec le booster fourni avec. Donc, le. Nitro Boost, voilà, de Flavor Hit, ok. Et puis, je l'ai mis dans le Goon 1.5 sur la petite box Vapsio, voilà. Je suis là aussi avec un montage très simple, hein, Cantal A1, voilà, 0,50. Hop, si je me mets comme ça, vous lisez mieux. Et je suis donc à 30 watts. Bah, écoutez, c'est parti.
Là aussi, bon volume de vape, pas de souci. Je vais en rajouter un petit peu. Alors, là, par contre, on est sur du gourmand pur et dur, c'est-à-dire donc plus dans ma tasse de thé, même si j'aime les fruités, de temps en temps, voilà, les fruités, ça fait du bien. Bon, on n'a pas encore les super beaux jours, des super chaleurs, mais bon, même comme ça, de temps en temps, ça le fait bien. Mais là, ouais, on est sur un bon gourmand. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 o'clock? Imaginez une seconde, un petit beurre au chocolat blanc, trempé dans un bol de lait épicé et sublimé par une légère touche de cerise noire. Un liquide qui vous laissera pas indifférent. Et c'est vrai que il est spécial, c'est original, c'est bien assemblé et celui-ci, je l'adore, quoi. Ouais, je l'adore. Alors, la touche de lait, ouais, ça doit être le côté crémeux que l'on ressent quand on vape ce 5 o'clock. Le côté petit beurre aussi, justement le petit beurre mou, quoi. Non, il est vraiment super bien fait. Celui-ci, c'est une tuerie, quoi. Pour moi, après, voilà, c'est toujours pareil, les goûts et les couleurs, hein, mais celui-ci, c'est vraiment mon préféré, quoi. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, quand on voit la fiole, elle a morflé, hein, par rapport aux autres, voilà. Ouais, vraiment très très bien celui-ci. Voilà. Ben écoutez, c'était tout donc pour ces deux premiers. On verra dans la deuxième partie donc la rotule. Alors ça pour moi c'est voilà, ça tombe très bien, surtout à ce moment. Et puis donc le Brez. Alors au départ je croyais que c'était Brezel, c'est Brez Invasion, ok. Voilà, on verra ces deux dans la deuxième partie. Je pense qu'avant, on verra donc le Scrape Mécanique Mode, voilà, de chez Stockholm. On verra ça dans la prochaine vidéo. On verra aussi le Ghoul. Après, il y a le Ghoul à voir. Il y a un liquide aussi que m'a fait parvenir mon ami Soso, de Sauffer des Nuages. Et puis le Decoil, de Mascoil, voilà. Je vous en parlerai peut-être en même temps que le Ghoul. On fera un montage avec. Voilà. Et puis d'autres vidéos à venir. Donc, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me suivre. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Willy Revue et que vous voulez ne rien louper des prochaines vidéos, je vous invite à le faire en allant cliquer sur YouTube. Non, c'est hop, voilà, en bas à droite. Et puis voilà, et puis ben comme toujours, d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et comme toujours, on s'éloigne de la clope, on diminue sa consommation, mais surtout, on continue de vaper, on se régale. Bye bye, la bonne vape à toutes et à tous, et merci au nuancier de Tonton, voilà.